Salut à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Si tu viens d'arriver et que tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Selim, qui s'est fait tirer dessus, est amené dans une clinique privée par Kaya. Celui-ci demande à ses amis de tuer ce net. Mais cette fois, il demande que le travail soit bien fait. Mélissa, qui se tenait à la porte, a tout entendu de ce que Kaya disait. Puis, elle entre et se met à menacer les hommes. Kaya réussit à la neutraliser et l'emmène dehors pour mieux causer avec elle. Oran se rend chez Mahir pour lui dire qu'il a tiré sur Selim. Mahir, étant surpris de suivre une telle chose, se met à se disputer avec Oran et cela engage une grosse bagarre qui sera séparée plus tard par la police. Du côté de la clinique, Selim se met à se rétablir peu à peu et tout le monde semble être fier, surtout Mélissa et Senet. Quelque temps plus tard, celui-ci est ramené chez sa famille pour continuer son traitement. Lorsque la famille de Mahir vient la rendre visite, celui-ci dit qu'il a payé le crime de son père. Pendant que Senet et Mugadès rentraient sur le chemin, deux hommes les suivaient discrètement dans une voiture. Ils avaient été envoyés pour kidnapper Senet. Il gara leur voiture, s'arrêta et emmena Senet avec eux devant le regard épleuré de Mugadès. Un des hommes appelait Chele Azu pour confirmer à Mélissa qu'ils ont bel et bien kidnappé Senet. Comme cela était dit dans son plan avec Kaya. Malheureusement pour Mélissa, Arzu suivait toutes leurs conversations et Arzu n'arrivait pas à croire que sa fille était mise avec Kaya pour kidnapper Senet. Tout de suite après avoir raccroché, Arzu se conduit dans la chambre de sa fille Mélissa pour que celle-ci lui donne plus d'informations sur ce qu'elle venait d'attendre au téléphone. Mais Mélissa ne l'expliqua que dalle. Après avoir entendu ce que sa fille avait à lui dire, Arzu se rendit à l'endroit indiqué par l'homme au téléphone pour libérer sa fille des mains de son ennemi Kaya. Arzu, en entendant les cris de sa fille, elle se battait pour trouver d'où venaient ses cris. Car dans la vieille maison, un des ravisseurs était en train de menacer sa fille Senet et était sur le point de la violer. Lorsque Arzu arriva dans la cave, elle trouva le ravisseur qui était sur sa fille. En voyant cela, elle pensait à ce que Kaya l'avait fait il y a de cela 23 ans, car elle-même avait été violée par Kaya. Furieuse de voir cette scène, elle courut vers sa fille et poussa cet homme sur sa fille. Celui-ci la donna une gifle et Senet se levait pour s'enfuir, mais celui-ci la rattrapa et l'attrapa par les cheveux. À ce moment précis, Arzu, pris de colère, se saisit d'une grosse pierre et frappa cela sur la tête de ce dernier. Une fois au sol, Arzu l'acheva avec la même pierre. Pensez-vous que Kaya va réussir à assassiner Selim? Arzu et sa fille Senet doivent-ils s'en sortir? Nous le saurons très certainement dans les prochaines éditions. Alors, pour ne rien rater, abonne-toi et active la cloche de notification. Merci et à très bientôt.